monde, bon bah ça y est, j'ai enfin fini un livre et sous le soleil parce que ça fait un mois et demi qu'on n'a pas eu de soleil. Donc là j'ai fini Meurtre à Cap COD donc, de Mary Mislark. En fait c'est pas du tout une histoire comme on peut le penser. Moi je pensais que c'était une histoire, mais non, pas du tout. Il y a plein de petites nouvelles, il y en a, je vais vous dire combien, je crois qu'il y en a 18. Là, c'est Lise de Mary Mislark. Le remerciement qui fut. Attends. Alors, il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ouais, en fait, il y a 10 nouvelles. Et ouais, c'est ça, il y a 10 nouvelles. En fait, c'est des nouvelles. Donc. Il y en a des longues, il y en a des courtes. Voilà, la plus longue, c'est la numéro 10. Elle fait, elle fait 100 pages. J'ai mis 3 jours à la lire. Donc en fait, dans chaque nouvelle, il y a un meurtre. Donc le meurtre se passe un peu n'importe où aux États-Unis. Il y en a une aussi que j'ai bien aimée. En fait, c'est l'histoire de d'une grand-mère et de son petit-fils. En fait, c'est elle a toujours dit à son petit-fils, oh bah je vivrai 100 ans et tout. Sauf que son petit-fils, eh ben il voulait absolument la tuer parce qu'en fait, si elle mourait, elle toucherait son héritage d'argent. Sauf que malheureusement, il a pas pu la tuer parce que en fait elle installait beaucoup de trucs chez elle comme un ascenseur et quand elle était petite elle en fait elle s'est fait griffer par des chats et du coup elle a la phobie des chats. Du coup son fils il s'est dit ah ouais mais pourquoi pas je vais ramener des chats et puis je vais lui faire peur avec ça, je vais bloquer l'ascenseur là puis je vais les faire mourir dans son ascenseur. Sauf que son fils, il y a un truc dont il ne s'est pas rendu compte tout de suite. Enfin, il savait pas qu'il avait cette chose-là. Et enfin, qu'elle avait, ouais, cette chose-là. Et en fait, il va dans les animaleries et dans tout ça, donc dans les refuges pour prendre ses enregistrements. Donc, il s'est notamment griffé au même endroit que sa grand-mère, sur la joue gauche. Et donc, il fait un enregistrement de 20 minutes. Et un soir, sa grand-mère, en rentrant coucher, elle était dans son plaid, en fait. Il l'a coincé, en fait, elle est montée dans son ascenseur et il a coincé, il a coupé les jus pour couper l'ascenseur. Et elle s'est dit, ah bah merde, c'est en panne tout ça. Elle a crié, personne ne l'a appelé. Lui, il a ramené sa voiture chez lui et il est retourné à pied pour que personne ne se doute de rien. Il a mis l'enregistrement, donc il a planqué l'enregistrement à l'entrée et il a dit ouais, je fais tourner l'enregistrement jusqu'à minuit, donc ça tournait de 21h à minuit. Sauf que le lendemain matin il remet le lieu, la grand-mère elle est contente de remonter au-dessus, la femme de ménage la retrouve et tout, et en fait elle dit à son petit-fils, oh bah j'ai bien dormi hein, dans l'ascenseur et tout, je suis roulée dans le plaid, je me suis pas inquiétée. Par contre, il rêvait que j'entendais des ronronnements et voilà quoi. Donc en fait, elle avait rêvé de ronronnements. Et en fait, il s'est aperçu en arrêtant l'enregistrement, enfin en constatant l'enregistrement, était en rentrant à la maison, en fait, qu'elle avait des appareils auditifs. Et que les appareils auditifs étaient posés juste à côté de l'enregistreur. Elle s'est dit, eh merde. Et du coup, il a dégradé son enregistrement et 5 mois après l'histoire, en fait, ça s'est bien terminé. Il l'a finalement pas tué, c'est la seule où il n'y a pas de meurtre. La dernière, là, c'était la dernière. La dernière, je vais regarder c'était laquelle, le sanglier tourne. C'est ça, c'est celle-là. La morte porte aux portes, c'est ça. La mort porte un masque de beauté. Celle-là, elle fait 100 pages. En fait, c'est l'histoire d'une top modèle. En fait, elle a une petite sœur qui s'appelle Shanice. Et elle avait hâte de retrouver sa sœur à l'aéroport.
Donc en fait, elle travaille donc dans un. En fait, elle est top modèle pour faire des pubs, notamment de masques, du beauty masque, un masque de beauté. Et en fait, sa sœur l'appelle, sa petite sœur et son beau-frère, futur beau-frère, donc Harry l'appelle de son avant, en lui donnant l'horaire de l'avion, en lui disant que c'est le matin. Et en fait, le matin, en arrivant à l'aéroport, Janice ne trouve pas Alexandra, sa sœur, donc elle lui met des messages partout, tout ça. Et donc, rien n'est fait. Donc, elle retrouve pas sa sœur. Et donc, il interroge les gens pour la dernière fois qu'il a vu sa sœur le lundi. Donc, tout le monde pense que sa sœur a disparu. Et donc, il y a donc Larry Johnson, son agent, qui téléphone, il y a qui vont la voir elle du téléphone aussi. Il y a donc Androse là, c'est Marcus Androse, donc le conducteur qui s'occupe de la société, donc qui conduit notamment Alexandra et son agent. Puis il y a Grant, donc Grant il est très très exigeant et il est méchant avec tout le monde, voilà, une vraie merde. Et donc tout le monde lui avoue qu'il l'avait pas vu, Harry aussi. Donc en fait 3 jours plus tard, il déclare Alexandra a disparu, sauf qu'il la déclare bien un plus tôt qu'avant, parce que le soir même, en rentrant dans l'appartement d'Alexandra, en fait, il retrouve une femme ressemblant à Alexandra, donc avec un beauty masque sur le visage, une perruque blonde, et en fait, c'était l'amie d'Alexandra, Lisa. Donc qu'ils ont tué, que le coupable a tué. Donc moi j'ai émis des hypothèses. Et en fait il pensait Janice toute contente la prend dans ses bras, pensant que c'est Alexandra, parce que sa perruque blonde Lisa, en fait elle ressemble vraiment à Alexandra. Alors que pendant ce temps-là, Alexandra était dans le chalet à la montagne de Lisa, que le grand-père à Lisa lui a donné, donc à Lisa, à léguer à Lisa. Et en fait, Alexandra avait envoyé Lisa chercher donc ses frères, donc sa sœur et son beau-frère. Et en le disant et en mettant sa perruque blonde pour faire en sorte qu'Alexandra, enfin que Yanis et donc Michael le retrouve et la rencontre, enfin la reconnaissent. Et en fait, entre-temps, Janice, elle avait la même robe qu'Alexandra, et Alexandra a donné sa robe à Lisa, parce que Lisa l'avait bien aimée. Et donc, le lendemain, Janice était un peu perturbée, parce qu'elle avait eu un accident en allant chercher Alexandra, malheureusement. Et elle va donc à la morgue récupérer, voir le corps. Elle dit, mais non, c'est pas ma sœur, ça. Du coup, elle est soulagée et tout. Et il montre, donc quelques jours plus tard, Alexandra dans le chalet de Lisa, en fait. Et on la montre, ils disent qu'on allume la télé, en fait, où tout le monde dit Alexandra est morte et tout ça. Donc elle dit, je vais prévenir que je suis en vie quand même. Sauf que, en fait, Lisa, elle coupe le téléphone à chaque fin d'hiver. Du coup, elle n'avait pas le téléphone, il n'y avait plus de jus, il pleuvait en torrent et tout. Et donc, pendant cela, Marcus est allé voir Janice en disant, ouais, dites-moi qu'Alexandra est vivante, tout ça, ce qui s'est passé aux infos. Et Janice lui révèle tout, alors que la police, en fait, ils avaient dit à tout le monde, notamment à Janice, ne dites rien et tout. Et Marius, donc en fait là, tout le monde se doutait que c'était Marius, enfin que c'était Marcus, c'est pas Marius, Marcus, je me trompe, hein, le coupable. Et en fait, parce qu'Alexandra était allée à l'aéroport, était rentrée de l'aéroport. Et en fait, quand ils ont fouillé la valise de Marcus, ils ont trouvé donc des médicaments. Et en fait, Alexandra se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, que Marcus la droguait. Et après, ça s'est poursuivi du coup, que la police a trouvé donc l'adresse de l'immeuble de la copine d'Alexandra, donc d'Elisa. Et en fait, Marcus est arrivé entre-temps à l'immeuble, en même temps que les flics peu avant.
Et il a essayé d'étrangler Alexandra, sauf que bah, il a vu les gyrophares de la police. Alexandra avait perdu connaissance. Et après avoir vu donc le gyrophare de la police, il a essayé de fuir, donc il a finalement été arrêté. Alexandra a été sauvée. Et tout est rentré dans l'ordre. Franchement, je vous dis pas du tout comment ça se termine. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que chaque nouvelle se termine très très bien. Voilà, donc Meurtre à Cap COD, c'est pareil, c'est une nouvelle là aussi qui est extrêmement bien. Voilà, c'est vraiment une très 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 belle nouvelle. Voilà, enfin, en fait, Marine Gisler, qui ben c'est bah, apparemment pas les premières nouvelles qu'elle fait, parce que vous souvenez-vous, il y en avait fait un aussi de résumé de nouvelles, pareil avec Marine Gisler, qui lui veut pas tenir. Là, le prochain, ce sera le dernier de la pile. Là, j'ai ma pile. Non, avant, elle faisait jusque-là. Et ben là, j'ai plus que ça. Et après, il n'y en aurait plus. Bon, bah, à la prochaine, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications. Et puis d'ici là, bonne semaine et joyeuses fêtes si je finis pas ce livre-là avant les fêtes. Mais là, vu le nombre de pages qu'il a, je pense que je vais le finir. Bisous!